Bonsoir et bienvenue à ce 19h à la une de l'actualité sur ADK TV. Le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, s'est rendu dans l'après-midi d'hier, jeudi 22 février, sur le site de Yopogongesco, où plusieurs populations ont été déguerpies dans le cadre de l'opération d'égapissement des emprises de l'autoroute du Nord initiée par le district autonome d'Abidjan. Il s'agissait pour le président du PDCI RDA d'aller constater les faits, écouter les populations sinistrées et les réconforter. Et puis terminons cette édition avec le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, qui a reçu en audience les ex-militants sanctionnés du parti mercredi 20 février 2024 à leur siège assis à Cocody. Une rencontre au cours de laquelle des engagements ont été pris, tant du côté de la direction que chez les désormais réhabilités. À cette occasion, la coalition des ex-sanctionnés a remis un mémorandum au président du parti. Un mémorandum expliquant en long et en large les raisons de la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet. C'est la fin de cette randonnée de l'information. Merci de l'avoir suivie.